Bien. Il vous est reproché d'avoir à Tarbes, le 13 novembre 2011, fait usage de résine de cannabis, de LSD et d'héroïne, substance ou plante classée comme stupéfiant. Avec cette circonstance que vous étiez en état de récidive légale pour avoir été condamné par décision du tribunal correctionnel de Tarbes en date du 23 mars 2007. Il vous est reproché également d'avoir volontairement exercé des violences sur Aurélie, violence n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail, avec cette circonstance que vous êtes l'ancien concubin de la victime et que vous étiez en état de récidive légale pour avoir été condamné le 18 octobre 2007 par le tribunal correctionnel de Tarbes pour des faits identiques, assimilés ou de même nature. Il vous est encore reproché d'avoir à Tarbes entre le 11 et le 13 novembre 2011 troubler la tranquillité de la victime par des appels téléphoniques malveillants réitérés, en l'espèce une série d'appels SMS incessants entre minuit et 6 heures du matin. Et enfin, il vous est reproché d'avoir menacé de mort Aurélie et sa famille de façon réitérée, en l'espèce en brandissant un couteau, en lui disant « je te crève si tu pars », puis en menaçant de faire brûler la maison de ses parents avec de l'essence et de crever tous les garçons qui oseraient l'approcher. On rappelle que vous êtes en récidive quand même pour les violences, ce qui vous fait encourir une peine planchée de 1 an. Alors les faits ont été révélés en réalité par votre ex-compagne qui est venue se plaindre au commissariat de police le 13 novembre 2011. Mais ce n'est pas la première fois quand même qu'elle venait, puisqu'on a retrouvé ensuite au moins une main courante qui datait du 26 novembre 2010. Alors je rappelle quand même qu'Aurélie, c'est une très jeune fille, puisque, bon, vous n'êtes pas très vieux, mais vous, vous êtes quand même de 85, elle, elle est de 91. Quand vous vous êtes mis en couple, elle avait à peine 18 ans. Donc, vous vous êtes mis en couple au mois d'août 2009, mais vous étiez déjà ensemble auparavant et vous habitiez chez votre mère. C'est cela ? C'est pas tout à fait ça. Alors, dites-moi tout ce que c'est. On est sortis ensemble, on a pris un appartement au bout de 3 mois. On a vécu 1 an à Tarbes, en fait. Enfin, c'était mon appartement. Et après, on est parti chez ma mère pendant 1 an. Voilà. Et après, vous allez reprendre un appartement ensemble à Tarbes ? Pendant 1 mois, même pas. 15 jours. Pendant que les problèmes, mais enfin... et malgré les problèmes, elle vient avec vous. Ouais. L'appartement en question. Mais enfin, en tout cas, elle indique donc que vous êtes son petit ami. Et elle indique que... comme vous aviez eu une autre liaison, elle avait voulu se séparer de vous et que vous n'aviez pas accepté cette séparation. J'ai pas eu d'autre liaison. C'est ce qu'elle dit. Avec ça, non. Oui, mais c'est faux. C'est faux. En fait, avec ça, ça... Peu importe, en tout cas, elle voulait partir, dit-elle, et vous la laissez pas partir. Non, ou du moins, vous lui faites du chantage au suicide. Vous, elle avait déjà déposé cette main courante le 26 novembre 2010, où il est indiqué « Celui-ci se montre de plus en plus violent avec moi. Il me frappe. Il y a 5 jours, il s'est mis en colère pour des broutilles. Il m'a donné des coups de poing. Il m'a tiré les cheveux. Il m'a donné un coup de pied également en bas du dos. Il avait sorti le couteau et me l'avait mis sous la gorge. Et en me tirant les cheveux, il m'a menacé de mort si je partais. » C'est faux. Il y a eu des bousculades, mais je l'attrapais par le pied, en fait. Et à l'époque, elle ne dépose pas plainte. Elle dit, je ne dépose pas plainte parce que j'ai peur. J'ai extrêmement peur de lui, je ne dépose pas plainte. Mais non, elle revenait chez moi, mais c'est... Et elle dit que vous consommez du cannabis régulièrement. Elle dira, dans cette déclaration de novembre 2011, elle dira en revanche que vous consommez non seulement du cannabis, mais de l'héroïne et du LSD. Non, du LSD, c'est faux. Enfin, en tout cas, vous avez reconnu le cannabis et l'héroïne. Oui. Dans votre audition, vous indiquez au niveau de l'usage de stupéfiants, j'ai touché à l'héroïne et au cannabis. Il y a votre dernière reconsommation, comment remonte à quand, on vous demande. Alors, elle était quand même pas bien ancienne, puisque vous dites, il y a 3 jours pour le cannabis, et l'héroïne, ça remonte à quelques semaines, quand vraiment je ne vais pas bien. Je prenais 1 gramme par jour d'héroïne, ce qui est quand même une quantité qui n'est pas négligeable. Non, c'était pour dire la dose que je prenais par la journée, mais c'était pas tous les jours. L'héroïne, vous savez, il y a une certaine addiction. Et il est difficile de dire, je prends de l'héroïne, puis j'arrête tout, vous seriez vraiment le phénomène. Je consommais pendant juste 2-3 jours, et... On n'est pas... Enfin, en tout cas, vous dites, je prenais 1 gramme par jour d'héroïne, je n'ai jamais pris, comme elle le dit, 7 à 8 joints par jour et 60 grammes de méthadone, mais malgré tout, vous êtes sous traitement méthadone.
Oui, maintenant, oui. Vous êtes à combien de grammes? À 40. 40. Bien. Donc, elle dépose plainte en indiquant que, depuis quelque temps, vous la frappez et que, comme vous vous étiez séparés un mois auparavant, c'est-à-dire au mois d'octobre 2011, vous avez commencé, vous ne supportez pas cette séparation, et vous avez commencé à la harceler au téléphone. Et elle indique que, dans ces conditions, elle a accepté de vous rencontrer pour s'expliquer avec vous. Il faut reconnaître que c'est vous qui la prenez dans votre voiture. C'est moi qui l'ai quittée au départ. Alors elle dit que c'est elle qui vous a quittée. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'elle est chez ses parents. C'est ce qu'il y a d'un peu étonnant quand même dans la procédure, c'est qu'elle habite chez ses parents et que donc elle, bon, la contrainte que vous exercez sur elle est nécessairement une contrainte exclusivement psychologique. Parce qu'elle pourrait très bien résister à une contrainte physique, en tout cas, pour ne pas vous suivre quand vous venez la chercher. Or, donc, elle vient avec vous, et vous avez reconnu, quand même, au moins les menaces. Oui, mais la plupart du temps, tout ce qu'elle dit, c'est des mensonges. Une partie, vous contestez. J'ai dit toute la vérité. Si vous lisez, j'ai dit toute la vérité. Ah, oui, enfin bon. Non, mais je vous promets, j'ai dit la vérité. Oui, ben elle dit aussi qu'elle a dit la vérité lors de la confrontation, elle confirme. Oui, mais comme, comme de l'héroïne, elle prenait de l'héroïne, on n'a jamais demandé de. Ben, elle n'est pas poursuivie aujourd'hui. Oui. Alors, si monsieur le procureur veut vérifier si elle prend de l'héroïne, libre à lui. Pour aujourd'hui, nous ne sommes saisis que des faits vous concernant. On va s'en contenter. Il faut dire d'ailleurs qu'ensuite, malgré ces violences qu'elle allègue et malgré ces menaces. Qu'elle allègue qui sont préalables à votre remise en couple, en ménage à Tarbes, elle revient avec vous alors que les menaces et les coups sont antérieurs. Alors, de façon très, très enfantine, très puérile, elle dit ben, « je reviens avec lui parce que je dois faire des études à Tarbes et comme il a un logement, ben, j'en profite, je viens m'installer chez lui, même s'il est violent, même s'il est… » C'est faux. Mais même pendant les 15 jours, là, c'est, quand on a eu l'appartement, pendant les 15 premiers jours, c'est moi qui l'ai quitté, en fait. Elle est même revenue, elle me disait, même si vous voulez, si tu veux, je te fais un enfant, elle me disait même des choses comme ça. Et après, je suis sorti avec une fille, en fait, pendant 3 semaines, elle a même été voir son copain, son ex-copain, coucher avec, en fait. Elle a même été voir sa mère, en fait, en disant que j'étais toxicomane. Enfin, elle n'a pas tout à fait tort avec tout ce que vous prenez. Non, sur ça, oui, mais je veux dire, mais après, elle n'avait pas allé voir le... Allez voir le Donc elle avait des relations avec sa mère, si elle va la voir pour lui expliquer. Non, mais pas avec sa mère, la mère du... Ah, la mère de l'ex-petite amie. De l'ex-petite amie. Ah, c'est vrai que c'est un peu compliqué, votre histoire, hein. Mais c'est parce que... Alors, que l'histoire soit compliquée, il y en a d'autres. Mais que le petit ami porte des coups, tire les cheveux, cogne, menace, même si toutes les menaces, si elle en a rajouté, hein, parce que c'est possible que toutes les menaces... elle en a dit un peu plus. Tout ce qui est armes et tout, c'est faux. Déjà. Mais il y en a quand même un certain nombre que vous reconnaissez vous-même. J'ai plusieurs fois tiré les cheveux, j'ai plusieurs fois giflé. Mais elle aussi, elle m'a déjà plusieurs fois giflé. Pour vous dire, une fois, elle m'a même... C'est pas parce qu'elle vous a giflé que vous avez le droit de le faire. Hein. Non, je sais, mais pour vous dire... est beaucoup plus jeune que vous. Hein. Oui, je sais. Oui, mais non, mais souvent, ça a été sous le coup du réflexe aussi. Une fois, dans la voiture, j'avais laissé une femme passer, en fait. Elle avait son âge. Et rien que le fait que je la laisse traverser le passage piéton, elle m'a mis une tarte dans la tête, en fait. Pendant que je conduisais. Même devant votre mère, parce qu'à un moment, vous la tirez par le pied, hein, pour la faire tomber, alors qu'elle est assise, et votre mère assiste à cette violence. Oui, c'est parce qu'elle levait le pied sur moi, en fait. En fait, elle faisait comme si elle se protégeait, mais elle essayait de m'atteindre avec le pied, en fait. C'est pas vraiment comme si elle se protégeait. Mais enfin, vous la faites tomber en la tirant par le pied. Mais je l'ai dit, oui. Ah, alors... Je l'ai tirée par le pied, elle est tombée sur le coccyx. Ah, bon, vous la... Vous avez fait des vidéos, en plus, de votre vie amoureuse, hein, et puis vous la menacez de mettre ces vidéos sur Internet. Non, je ne les ai pas, c'est elle qui les a, ces vidéos. Donc, dans ce cas-là, je porte plainte moi aussi, je leur dis que c'est elle qui les a, alors. Ah ben, vous pouvez toujours, on examinera. Ça, oui, mais non, mais moi, je ne les ai pas, ils ont perquisitionné, même. Je leur ai dit de chercher, même si vous voulez, les vidéos, il n'y a rien, c'est pas vrai. C'est elle qui les a, toutes les vidéos. Bien, en tout cas, vous l'avez menacée à plusieurs reprises, hein, ah, même par téléphone, parce que dans ces messages... Oui, je n'ai jamais menacé de mort.
C'est elle qui le dit, mais je ne l'ai jamais menacée de mort. D'ailleurs, je le sais très bien que même des menaces de mort, une fois réitérées, c'est... Ah, vous l'avez menacée. Ah, vous avez étudié le code. Non, mais je le sais parce que... Sauf s'il s'agit de menaces de mort. Non, mais je le savais très bien, c'est pour ça que je le sais très bien. Je ne l'ai pas fait. Non, vous avez fait en sorte qu'elle ne soit pas réitérée. Non, oui, mais même... Mais il y en avait déjà en 2010. Hein. Alors qu'elle soit... Hein, je t'aime, moi non plus, qu'elle s'en aille et qu'elle revienne. Hein, c'est une gamine. C'est une gamine, elle a 18 ans. Hein, quand vous la rencontrez, elle a 18 ans, vous en avez 6 de plus. Hein, c'est pas la même chose. Hein, une gamine de 18 ans et un jeune adulte de 23 ans. Vous pouvez pas vous assimiler à elle. Hein. Et quand vous la menacez comme c'est allégué dans cette main courante où elle dit qu'elle a peur, hein, qu'elle a peur de vous, hein, ou quand elle revient en novembre, et on a un certificat médical aussi, parce que on a quand même, parce que vous dites, ah ben c'est pas vrai, mais le certificat médical, vous imaginez si je l'avais dit que je l'ai pris par les cheveux, que je lui ai éclaté la tête sur le mur, vous imaginez si j'avais fait ça? Elle n'a pas d'incapacité, hein. Donc traumatisme crânien et traumatisme cervical. Mais non, mais je vais arracher le cuir chevelu, je ne sais rien, moi. Et vous imaginez quoi, alors qu'elle se l'est fait toute seule? Mais non, parce que c'est faux. Ah, le médecin ment? Parce qu'en fait, elle a des problèmes au cervical, ça fait des années, elle voit même un neurologue et tout pour ça. Non, mais alors attendez. Et elle s'est servie de ça pour dire... Entre des douleurs au cervical et un traumatisme cervical constaté, c'est pas la même chose. Un traumatisme... Le traumatisme, c'est musculaire qu'ils disent, non? Avec douleur à la palpation musculaire paravertébrale, mais le traumatisme est constaté. C'est-à-dire qu'on constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau des cervicales. On ne constate pas simplement « j'ai mal », hein, non. Oui, on indique « traumatisme cervical », ce n'est pas la même chose. Et traumatisme crânien... Hein, oui, mais l'effet, c'est de... Elle dit que je l'ai pris par les cheveux, que je l'ai tapé la tête sur le mur. Mais si j'avais fait ça, elle aurait... Je ne sais pas, ce n'est pas ça. Mais rien que le fait de la prendre par les cheveux, monsieur, est-ce que vous croyez que c'est acceptable? Oui, mais il y a tout ce qu'elle fait d'abord aussi, vous savez... Et quand vous avez menacé de brûler la maison de ses parents, alors ça aussi c'est faux? Non, c'est faux, oui. Hein, quand vous avez menacé de trancher la gorge, c'est faux. Vous avez quand même reconnu que pour ses copains, dans votre déclaration, oui, vous dites vous-même hein, que ses copains, vous avez dit que vous alliez les crever les uns après les autres. C'est pas ses copains que j'ai dit. Je vous promets, j'ai dit les gens, parce que je savais très bien qu'elle me racontait tout le temps ces ébats sexuels ou c'est les gens qui lui couraient après, en fait. Les gens qui lui couraient après. Et je lui avais dit que tout ce qu'il avait fait du forcing avec elle, là oui. Je l'ai précisé même, je l'ai dit que c'était ça. Mais vous croyez que... J'allais taper les gars qui étaient, si elle était consentante, ils n'ont rien à voir. Je le sais très bien. Ah, vous deviez crever tous ces courtisans. Et... C'était une façon de parler. Oui. Façon de parler, là aussi, vous qui maîtrisez apparemment largement les mots et les infractions, eh bien, ces façons de parler sont des menaces. Et de la même manière, ces violences qui sont alléguées, lorsque vous filmez vos ébats... Pourquoi moi, c'est elle qui le filmait? Enfin, vous y êtes quand même. Vous n'allez pas me dire que vous subissez tout. Non, mais je veux dire aussi pour... Qu'avec 6 ans de plus, c'est elle qui vous impose à la fois votre comportement sexuel... Non, du tout. J'ai pas du tout dit ça, madame. Parce que vous m'avez dit, c'est vous filmez. Non, c'est... On filme alors. Ah oui, on filme. Voilà. Avec la différence, c'est que vous avez 6 ans de plus et qu'elle, elle a à peine 18 ans. Et que la responsabilité n'est pas la même. Hein, la responsabilité n'est pas la même entre une gamine et un jeune adulte. Hein, et que lorsque on fait tout cela, eh bien, on a un comportement qui est quand même d'une certaine violence, hein, comme elle l'allègue, comme vous le confirmez, parce que dans vos déclarations, quand on vous entend, vous ne contestez malgré tout aucune des violences. Vous dites, je reconnais qu'il m'est arrivé de la tirer par les cheveux. Une fois qu'elle était assise sur le lit, je l'ai soulevée, je l'ai poussée, je lui ai mis des gifles sur l'arrière du crâne. Alors, pas de coups de poing, mais des gifles sur l'arrière du crâne. Pas beaucoup de bien. Hein. Il m'est arrivé de dire à Aurélie que j'allais éclater tous les gars qui avaient fait du forcing avec elle, à savoir ceux qui essayaient de faire des choses avec elle. Mais c'est prendre sa défense, ça. C'est pas des menaces, ça. Non, d'éclater. Hein. J'ai dit que j'allais tuer un de mes amis, mais c'était pour dire que j'allais le taper. Alors quand vous dites que vous allez le tuer, est-ce que vous allez le taper, vous? Non, mais pas. J'ai pris son téléphone, je l'ai brisé en deux. C'est pas des violences, tout ça. Je l'ai remboursé. Hein. Alors, je ne l'ai pas frappée quand elle était au sol, mais quand elle était debout, je l'ai frappée. Hein, je pense lui avoir mis une gifle, si elle le dit. Je ne suis pas allée plus loin, c'est sûr. Hein, bon.
Oui, on vous a entendu sur des dizaines de pages. On peut comprendre qu'elle ait eu peur. Vous lui aviez montré un fusil qui était en votre possession. Non, oui, mais c'était... Ben oui, vous dites toujours non, oui, mais... Non, mais madame, s'il vous plaît, laissez-moi toujours parler. Toujours une raison. C'était une carabine à plomb. Elle a été à l'armée, elle a fait le testage de l'armée. Elle tirait au FAMAS. Qu'elle ne dise pas qu'elle est terrorisée par un fusil. Elle a tiré au FAMAS peut-être, et alors vous croyez que parce qu'elle a tiré au FAMAS mais non, mais je l'ai pendant jamais... à 18 ans, elle n'a pas dû rester très longtemps dans l'armée. Hein. Elle disait ça parce qu'elle savait très bien que ça allait peser, parce que j'avais une arme. Et encore, c'est une carabine à plomb. Même la policière, elle a dit on tire des moineaux avec ça. Et alors vous êtes sûr qu'elle était capable de distinguer. Bien sûr. J'ai des notes que. Elle a des notes. Qu'elle est réserviste dans le son. Pardon, elle dit qu'elle a été réserviste à l'armée. Oui, qu'elle est réserviste dans l'armée. Vous savez ce que ça veut dire d'être réserviste dans l'armée à l'heure actuelle? Vous faites une journée, hein, une journée de préparation à la défense, et vous vous inscrivez à la sortie en disant que vous entendez être réserviste dans telle ou telle arme. Et c'est tout ce que vous apprenez. Hein. Elle a fait des classes. Je peux en témoigner. Je l'ai constaté, pas par moi-même bien sûr, à mon âge, mais par l'intermédiaire de quelques-uns de mes enfants. Donc je peux vous dire qu'être réserviste dans l'armée à l'heure actuelle, ça ne veut pas dire que l'on a tiré au FAMAS et que l'on vous a présenté toutes les armes. Non, mais on vous a fait faire une dictée le matin. Non mais c'était pas réserviste alors parce qu'elle a fait 15 jours de classe. Elle a fait 15 jours de classe, donc... Elle a tiré au FAMAS et tout, j'ai les notes... Mais en quoi ça légitime les menaces? Ah oui. Non mais c'est pour préciser que c'est très bien ce que non, c'était qu'une carabine à plomb. C'est pour expliquer que l'arme pour eux, ça n'était pas une menace. Oui. Même les policiers, ils lui ont fait la remarque. Même ils... Bien, ça vous autorise pas à en faire d'autres. Non, des non mais je sais bien. Hein? Je veux juste, je n'ai pas les fins en fait. Je veux juste préciser. Alors bon, après, c'est vrai que son comportement est un peu surprenant parce que, malgré cela, hein, le tribunal le reconnaît, hein, malgré cela, elle revient, elle a des relations à nouveau avec vous, vous passez des nuits ensemble et vous avez des relations à deux ou trois reprises. Bon, c'est vrai qu'elle a un comportement un peu incohérent, mais ça ne justifie pas votre attitude. Elle m'a presque accusé de viol et de séquestration. Vous n'êtes pas poursuivi, ni pour viol, ni pour séquestration. Oui, mais pour dire que... Ce pourquoi vous êtes poursuivi, ben, ça correspond quand même à ce que vous avez reconnu. Oui, mais parce que j'ai dit la vérité. On a fait le tri, hein, et on a retenu que ce que vous avez reconnu. Donc, il y a quand même, dans tout ce qu'elle évoque, une certaine part de vérité. Oui, c'est bien ce que je dis. Même c'est... s'il y a une exagération possible, hein, due à son jeune âge. Hein, parce qu'on peut comprendre que, compte tenu de son jeune âge, ben, les choses, elle les ait grossies et elle ait ce comportement incohérent. Hein, parce qu'effectivement, elle revient avec vous. Vous le dites, vous êtes amoureux d'elle. Et elle aussi. Hein, elle aussi, elle dit, je suis amoureuse de lui. Hein, je pars, je reviens... Bon, certes, il y a le problème de l'appartement, mais ça prouve d'ailleurs à quel point elle est enfant et peu mature. Mais c'est pour cette raison, justement, qu'il ne faut pas profiter de cette immaturité. Bien, des questions, monsieur le procureur? Non, pas de questions. Maître Abadi? Non, pas de questions, madame. Alors, elle se constitue partie civile. Asseyez-vous, monsieur... Et voilà ce qu'elle indique. Je vous remercie de me recevoir en cette demande et de m'allouer la somme de 2000 euros. J'ai subi les préjudices suivants. Préjudice matériel, portable cassé, et un préjudice corporel, car j'ai été frappée à plusieurs reprises de manière violente par des gifles, des coups de poing et de pied. Je ne peux pas le retenir puisqu'il n'y a pas de mise en cause de la sécurité sociale. J'ai subi également un préjudice moral. Il nous reste cela. En effet, j'ai été victime d'humiliations verbales et brimades, comme m'obliger de respirer le gaz du briquet ou vouloir me couper les cheveux pendant mon sommeil. De plus, on ne l'a pas évoqué. Hein, relevez-vous, puisqu'elle elle en parle. Levez-vous. Oui, levez-vous. Venez expliquer. Parce que l'histoire des cheveux coupés, déjà, c'est parce que j'ai raconté l'histoire de mon cousin qui avait coupé les cheveux dans la nuit de sa copine. Mais c'est n'importe quoi. Comme de respirer du gaz. Je lui faisais montrer quand on respirait du gaz, c'est des gamineries, c'est parce que je m'amusais à cracher du feu. Et elle me disait, oui, mais arrête, avec le gaz, tu peux le truc. Je lui faisais, non, regarde, sans le gaz, ça fait rien. C'est ça qu'elle dit que j'ai fait. Je ne l'ai pas pris la tête, je ne l'ai pas coincé, quoi que ce soit. Je lui ai fait sentir le gaz. C'est n'importe quoi. Bien. Alors, elle dit, de plus, j'ai été confrontée à du harcèlement téléphonique ainsi que des menaces de mort. Je suis traumatisée par les faits dont j'ai été victime et cela m'empêche de poursuivre ma vie sereinement. Vous trouverez ci-joint les justificatifs étayant mes affirmations. J'ai pas l'impression qu'il y ait autre chose que le certificat médical. Hein.
Donc on a juste le certificat médical. Vous l'avez vu, maître Abed? Non, la lettre, je l'avais pas vue. Voilà, bon, là, je vous ai donné lecture de sa constitution. Et la seule pièce justificative, c'est le certificat médical que nous avons déjà dans le dossier. Voilà, donc vous pouvez maintenant... La morale, elle demande rien. Elle demande 2000 euros. 2000, d'accord. Merci. Donc, monsieur le procureur, vos réquisitions. Oui, madame le président, vous statuerez bien évidemment, comme à l'accoutumée, ce que de droit sur la demande présentée par la partie civile. Je vous remercie, madame le président, d'avoir tout à l'heure quand même rappelé que le tribunal et avant lui le ministère public sait encore faire le tri entre les accusations qui ne sont pas étayées de preuves et celles qui correspondent à des infractions caractérisées, démontrées, avérées et même reconnues pour certaines d'entre elles. Parce que dans cette affaire, madame le président, que la plaignante n'ait pas toujours eu un comportement cohérent, j'en conviens volontiers, que la plaignante ait parfois exagéré ou mal interprété certains gestes ou certains propos, j'en conviens aussi. Comme par exemple lorsque très opportunément le prévenu lui indique que le cousin, lui, a coupé les cheveux pendant la nuit de sa compagne, qu'elle ait pensé que ça pouvait lui arriver, on peut quand même le comprendre. Qu'elle ait eu peur justement pour sa chevelure, on peut parfaitement l'expliquer. Je rappelle, madame le président, que si, effectivement, la plaignante, comme je le disais tout à l'heure, n'a peut-être pas toujours eu un comportement cohérent, il n'empêche que moi, qui représente les intérêts de la société, je suis là pour dire que jamais rien, même le comportement de la victime, ne saurait légitimer un acte de violence de quelque nature qu'il soit, et quand même la plaignante reviendrait avec celui-ci, je suis là pour lui dire qu'il ne doit pas le faire et que jamais il ne doit la frapper et que son comportement n'est pas l'acceptation de la violence et quand bien même, ça ne se fait pas. Vous entrerez, madame le président, pour chacune des infractions reprochées en voie de condamnation, je ne demande pas la peine plancher puisque celui-ci remplit les conditions pour que je ne la demande pas, vous le condamnerez cependant à une peine de 6 mois d'emprisonnement assortie du sursis ainsi que 450 euros d'amende. Merci, monsieur le procureur. Maître Abadi. Oui, madame la présidente, vous avez rappelé les faits de ce dossier très longuement, donc vous avez refait un petit peu l'instruction de cette affaire. Et effectivement, monsieur a reconnu un certain nombre de faits pour lesquels il est poursuivi. Vous avez rappelé également le contexte de ce dossier avec une grande ambiguïté de cette relation amoureuse qui fait que le couple se sépare, revient. Elle dit c'est pour faire des études, donc bon... Tout ceci démontre qu'il y a eu dans son vécu une exagération du danger qu'elle croyait courir, parce qu'effectivement, les violences qui lui sont reprochées ne sont pas du tout celles que Madame allègue. Donc, pour moi, les menaces réitérées ne sont pas parfaitement constituées. Je vous demande d'arbitrer et éventuellement d'en prononcer la relaxe. Il n'en demeure pas moins que les deux premières infractions, on ne les reconnaît pas. Elles sont absolument établies. Il y a effectivement récidive. Je vous rappelle quand même, parce que j'y étais, que pour le premier dossier de violence pour lequel il est condamné, bon, ça ne change rien dans l'état de récidive. Il y avait quand même eu un partage de responsabilité. Donc, il n'est pas aussi violent qu'on le croit. Il y a cette condamnation. Mais il y avait eu un partage par 50-50 avec les autres protagonistes de l'affaire. Donc c'est une affaire que j'avais suivie, donc ça je peux en attester. Monsieur le procureur a demandé une peine de 6 mois d'emprisonnement que vous arbitrerez, puisqu'effectivement, de toute façon, monsieur est conscient qu'il est là pour répondre des actes qu'il a commis. Je vous rappelle quand même sur le plan de la personnalité que monsieur a fait des efforts extrêmement importants, car il ne vous a pas échappé que, outre cette relation amoureuse tumultueuse, ambiguë et difficile qu'il a vécue, il a également eu un passé difficile qui fait qu'il a eu besoin de soins. On vous a parlé de méthadone dans le dossier.
Vous verrez que je pose le certificat médical, je produis au dossier des certificats médicaux qui démontrent qu'il a un suivi extrêmement régulier, que de ce côté-là, il est extrêmement bien suivi et qu'il ne fait que progresser au niveau de sa santé. Je démontre également que, au niveau insertion, il a une promesse d'embauche et un contrat d'engagement réciproque avec le Conseil général. Pour l'amende, je vous demande d'arbitrer, parce que ce n'est pas la richesse, hein, puisque vous le voyez, il a la promesse d'embauche et que, pour l'instant, il est quand même encore dans une situation difficile. En ce qui concerne la constitution de partie civile, il y a bon, cette relation ambiguë dont on devra aussi prendre en compte, que vous devrez prendre en compte l'arbitrage des dommages et intérêts. Je vous m'en remets à la sagesse du tribunal pour les dommages et intérêts que vous allouerez à madame. Merci, maître. Levez-vous, monsieur. J'arrive pas à voir combien vous avez de revenus en réalité. Je touche le RSA. Le RSA, c'est... Je le perçois. Bon. Vous voulez ajouter quelque chose ? Mais oui, que je regrette quand même d'être arrivé là. Si j'avais su, j'aurais coupé court déjà. Je pense pas que ça serait passé comme ça si... Si je pouvais revenir en arrière. Votre... Parce que ça, c'est un contrat d'engagement réciproque, mais vous travaillez combien d'heures Non, là, je travaille... Je... Travaillez pas du tout. Il y a la promesse d'embauche. Non, parce que le problème, c'est qu'il n'est plus accessible au sursis. Je me demandais si vous accepteriez de faire un travail d'intérêt général. Oui, je ferais bien. Vous seriez d'accord ? Oui. Ouais, parce que... Oui, exact. Oui. Exact. Eh oui. Oui. Donc, c'est soit du SME, soit un travail d'intérêt général. Oh, pas un SME, je pense que c'est inutile. Non, on est d'accord. J'aime mieux lui mettre un travail d'intérêt général. Il peut accepter de faire un litige. Hein ? Oui, oui. Il est d'accord. Hein ? Oui, oui. Et moi aussi. Bien, par jugement contradictoire, monsieur. Vous êtes déclaré coupable des faits reprochés et condamné à faire un travail d'intérêt général d'une durée de 105 heures dans un délai de 18 mois. Si vous ne le faisiez pas, vous feriez 3 mois d'emprisonnement. Donc, bon, vous avez tout intérêt à le faire. On va vous convoquer devant le juge de l'application des peines. Le tribunal reçoit Aurélie dans sa constitution de partie civile, vous déclare entièrement responsable du préjudice qu'elle a subi. Le tribunal vous condamne à verser à Aurélie la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Voilà. Je pense que ça, vous allez pouvoir y arriver, quand même. Voilà, donc on va vous convoquer et en vous conseillant de ne pas recommencer, parce qu'il y a quand même ces 6 mois d'emprisonnement avec sursis qui peuvent un jour tomber si vous continuez. Alors, ne vous remettez pas dans ce genre de situation. Si vous avez des compagnes qui vous posent problème, écartez-vous-en. Je vous remercie. Voilà. Au revoir. Oui.